Bon les gars, c'est reparti pour une vidéo Brawl Star avec Meg Dégâts Bruts. Donc c'est Meg, ce petit personnage de Meg, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas le pouvoir star, j'ai aucun pouvoir star, j'ai son gadget, donc qui permet à Meg, au mecha de récupérer 450 points de santé. Alors c'est peut-être le perso qui me hype le plus. Pourquoi? Parce que je crois que c'est celui qui se transforme en robot. Et donc ça me plaît énormément. Je pense qu'il est très 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 badass. Je sais pas si c'est rapide pour se transformer en robot. On va aller voir ça. Ah, déjà. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, d'accord, je savais pas que je pouvais taper. Ok. En tout cas, je pense qu'il doit impressionner les adversaires. Bon bah là, personne ne m'attaque forcément. Oula, 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 oula. Il faut qu'on se barre. Il est quand même pouvoir 9, donc là, ça peut être un challenge intéressant. C'était chaud patate quand même, hein. C'était limite limite. J'ai pas fait la meilleure partie de l'année, mais bon, je découvre le perso aussi, hein. Faut dire que je découvre le perso. Du coup, on va s'en refaire une petite. J'ai bien aimé, j'aime bien la façon de se transformer. J'ai pas encore tout compris. Je savais pas qu'on pouvait utiliser une sorte de bâton là ou de je ne sais quoi. On va essayer d'avoir. Ah ouais, par contre pour casser les caisses, c'est un cauchemar. Bon, lui, je sais même pas pourquoi il m'attaque pas. J'étais limite quand même là. J'étais quand même limite. Oula, je suis pas bien. Ouais, alors là, par contre, en termes de vie, je suis pas... En termes de pouvoir, je suis bien. 8. Mais en termes de vie, on va se laisser revivre un petit peu. Voilà. Par contre, je trouve qu'il peut prendre vite son pouvoir, quand même. Ah ouais, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal, quand même. Ça dépote pas mal. Quand on vise, franchement, ça dépote bien. Faites voir si je tape. Ah ouais, non mais le bâton c'est une tuerie. Le bâton c'est une tuerie. Non, c'est vraiment bien, c'est vraiment quand même super super bien. C'est vraiment un bon perso je pense. Même en solo, bon, après il faut peut-être savoir le manier. J'ai pas encore les pouvoirs star, donc ça peut peut-être vouloir dire que ça peut être encore plus intéressant à jouer. On va essayer sur un truc un peu différent, on va essayer sur du Brawl Ball pour voir. On va essayer de mec là-dessus. Je suis pas un fan de ces petits tirs au tout début, mais par contre, elle se transforme très très vite, donc... Et elle tire loin. Oula, oula, oula. Attendez. Non. Allez, c'est parti. Ça, c'est parti. Là, je pense que là... Ah, mais c'est à dire qu'ils essayent de nous challenger. Ah, je pense que... Alors là, par contre, je suis... Ah, mais là, quand elle passe en mode...
Ah là, je crois que quand elle passe en mode robot, c'est... Et en plus, elle passe très très vite en mode robot. C'est ça qui me plaît bien, c'est que... Voilà, ça y est, j'y suis là. J'y suis là. Je suis en mode robot, donc c'est ça qui est génial. Voilà. Allez, on va laisser notre partenaire marquer. Ouais, c'est quand même... C'est une boucherie. Ouais, il est pas content, mais je crois que c'est quand même un super perso. Je pense que ça va être un des meilleurs persos du jeu. Bien joué, avec les pouvoirs stars. Ça doit être une tuerie, ce perso. Ça doit être une tuerie. Moi, c'est celui des trois, là, que j'ai débloqué, que je voulais essayer en premier. Enfin, pas en premier, mais qui me hypait le plus. On va essayer quand même... hors-jeu, peut-être. Bah, hors-jeu, pour voir. Pour voir. On teste un autre mode de jeu. Ça fait que 5 minutes de vidéo, ça passe encore. Puis au moins, on voit... Mais là, j'ai l'impression vraiment que c'est un perso qui peut se jouer... Qui peut se jouer... Ah ouais, mais là... Non, mais là... C'est même plus marrant, quoi. Là, il va falloir... Ah, mais c'est fini, quoi. C'est-à-dire, quand on est transformé, c'est... Par contre, je sais pas où... Oh, bah, bon, bah... Bon, d'accord. Alors, là, bon, là, il n'y avait même pas de suspense, puisque... On va dire qu'il y avait... Oui, bah oui. Heureusement que je suis joueur star. Il n'y avait pas trop de suspense sur ce coup. J'ai bien envie de m'en retenter un, pour voir s'il y a des adversaires un petit peu plus coriaces. Bon, bien entendu, ça vaut le coup de voir un petit peu plus tard, quand les niveaux seront plus élevés. J'ai même pas eu le temps de me transformer. C'est énorme. Ok. Bon, bah les gars, allez. Bon, ok. Comment dire? Bon, là, les adversaires sont vraiment trop faibles. Ce que je vais faire, je vous ferai peut-être une... Alors, si ça vous a plu, dites-le-moi. Et à ce moment-là, je vous referai les persos que vous voulez. Dites-moi s'il y a un perso que vous voulez voir en priorité. Et je vous les ferai à un niveau un peu plus élevé pour qu'il y ait un petit peu plus de répondants en face. Que ça soit quand même plus agréable parce que là, c'est victoire sur victoire sur victoire. C'est très bien. Mais il n'y a même pas trop de challenge. Donc, c'est pas très très marrant. Je sais pas du coup si ces vidéos vont vous plaire, mais c'était plus des vidéos présentation, enfin en tout cas moi découverte, hein, puisque je découvre complètement ces persos. Je sais pas si vous voulez découvrir. Moi c'est mes trois derniers persos, je vais les faire évoluer. Et si ça vous tente, je peux vous les présenter quand ils seront bien maxés, face à des bons adversaires. Où je perdrai très certainement quelques parties, mais voir dans quel mode de jeu il faut les jouer, etc. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir regardé. C'était trois petites vidéos Brawl Stars en attendant des nouvelles vidéos sur LastD. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.